Bonjour, euh, je suis ravi de, de participer à ce séminaire. Euh, donc je vais vous parler d'accords euh, environnementaux ou de désaccords, des raisons pour le désaccord. Euh, alors, je suis arrivé sur ces, euh, sur ces problèmes, euh, sur ces problèmes de, de réchauffement climatique euh, euh, par une voie un peu détournée. Euh, euh, en fait, euh, j'ai eu un accident euh, assez grave. Et pendant l'été, j'essayais de récupérer. Et je me suis dit, maintenant, après avoir passé 20 ans de ta carrière à faire des articles d'économie sans intérêt, essayons de faire quelques articles qui peuvent avoir un certain intérêt. On ne sait jamais. Donc il faisait chaud. J'avais la visite de quelques co-auteurs. Et on a commencé à discuter de ces problèmes de réchauffement climatique. Et avec une perspective qui était la nôtre qui était celle du mécanisme design. Je vais revenir plus tard sur, sur ce qu'est le mécanisme design. Alors comment je tourne les pages Peut-être comme ça, simplement. Euh, donc euh, dans un premier temps, je vais rappeler quelques, quelques évidences euh, avant de, de développer un peu ce cadre conceptuel qui va me permettre de parler d'accord et de désaccord. Donc les évidences, c'est que... Euh, on est à peu près tous, tous d'accord aujourd'hui sur le fait que dans un futur proche, si rien n'est fait, eh bien le réchauffement climatique va avoir un impact déterminant sur, sur l'économie, sur, sur le PIB, et, et que les dommages économiques peuvent être significatifs. C'est un des grands messages du, du, rapport, du rapport Stern. En fait, tous les papiers sur les, les accords environnementaux pour commence un peu pareil donc je je suis le marronnier euh, habituel hein. parlons du rapport Stern dont je parle du rapport Stern euh, en fait je vais rapidement m'en éloigner euh, pour souligner les, euh, les aspects euh, qui m'intéressent plus particulièrement les aspects qui m'intéressent c'est qu'au fond euh, il y a quand même pas mal d'hétérogénéité entre les pays vis-à-vis -vis de ce problème de réchauffement climatique. Il y a des hétérogénéités en termes de coûts subis. Peut-être que pour certains, imaginons le Canada, il y a aussi des bénéfices possibles au réchauffement climatique. Donc il y a cette hétérogénéité, il y a aussi cette incertitude possible sur les trajectoires climatiques et économiques que vont suivre les économies. Et au-delà de ces incertitudes... Il uh, y a aussi des forces internes à l'intérieur des pays uh, qui font qu'il y a des jeux politiques, des jeux politiques, des groupes d'intérêt, des pressions, uh, des dimensions en fait uh, qui sont uh, qui entourent les accords, uh, uh, qui structurent ces accords, ces dimensions. Uh, font qu'il y a une, beaucoup d'informations incomplètes ou asymétriques, du moins, entre les euh, différentes parties à la table des négociations. Et cette information asymétrique, je vous l'ai démontré par la suite, a un impact déterminant sur les, la faisabilité des accords. Donc, on a de l'information asymétrique, on a des objectifs dissonants. Hein, on ne va pas comparer le Canada, la Suisse et l'Éthiopie dans euh, les problèmes de, de réchauffement climatique. Les incitations des acteurs sont différentes des incitations des les incitations des pays. Peut-être que les incitations des entreprises, des individus, des, des, des citoyens à l'intérieur même de ces pays sont elles-mêmes différentes. Donc, du point de vue de. La, de pratique. On est face à un incroyable défi qui est comment essayer de faire s'accorder des pays, des États souverains, hein, je vais insister sur ce, sur ce terme, mais la souveraineté va jouer un rôle déterminant dans la, la, les contraintes qui s'imposent aux accords environnementaux. Comment faire que ces États souverains peuvent s'accorder sur des politiques de lutte contre le réchauffement climatique Est-ce qu'il y a des... des, des conditions pour, euh, pour euh, s'accorder, euh, ou plus généralement des conditions pour ne pas s'accorder aussi, quoi. Alors, plus, euh, plus pessimiste, euh, 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 de manière plus pessimiste. Donc, euh, du point de vue de la théorie économique, je suis un théoricien, hein, je ne vais pas vous expliquer le réchauffement climatique, euh, c'est pas, pas ma tasse de thé, c'est pas mon avantage comparatif. Hein. Donc, du point de vue de la théorie économique... Euh, Uh, ce problème uh, a quand même quelques spécificités qui, au final, n'ont peut-être pas été si étudiées que ça hein, dans, dans la théorie. Le premier problème, c'est qu'un environnement propre, un climat uh, contrôlé, uh, c'est un bien public. Uh, un climat détérioré, c'est un, uh, un mal public. Uh, un bien public, qu'est-ce que c'est Une définition un petit peu, uh, peu uh, uh, d'économie uh, 001. Uh, eh bien, euh, chacun va bénéficier du maintien de ce bien public, de ce climat hein, bon, hein, euh, dans, de, dans, de, dans de bonnes conditions. Mais euh, les bénéfices de chacun étant limités, les efforts individuels pour y parvenir, les efforts individuels au niveau des pays, peut-être à l'intérieur des pays, au niveau des citoyens, des firmes, des entreprises, de, euh, les, niveaux, les efforts individuels pour y parvenir sont insuffisants. Donc, ça, c'est ce que les les économistes appellent un problème typique de passagers clandestins ou de free riding. Je vais plutôt employer le terme anglo-saxon aujourd'hui. Donc les conséquences de ce problème de free du fait que chaque individu finalement ne perçoit qu'une fraction des conséquences de son action sur l'environnement, et les on va avoir des efforts individuels insuffisants dont l'environnement va se détériorer de manière significative. Et donc il, est, il résulte de ce problème de free riding une détérioration du climat. Donc, la, donc ça c'est le problème de bien public général. Hein, c'est pas vrai uniquement par le, pour le climat, mais pour, pour euh, tous les biens publics auxquels on peut penser nous économistes. Euh, donc la première question c'est essayer de construire des mécanismes euh, qui vont réajuster les incitations des acteurs. Euh, et les faire internaliser un petit peu les conséquences de leurs actions sur le monde entier, quoi, sur le reste de la société, sur, sur euh, euh, la planète tout entière. Donc, euh, les économistes ont plusieurs, euh, plusieurs euh, outils dans leur, dans leur boîte à outils pour euh, essayer de réajuster les incitations. La première, c'est le marché. Hein. Donc on en a parlé de marché de permis, on va y revenir par la suite. La deuxième, c'est le contrat. On peut on peut essayer d'écrire de, des contrats pour engager les parties à des à des à des trajectoires qui vont essayer de, de maintenir un niveau de, de bien public. Et puis, on peut avoir aussi des jeux plus décentralisés, des contributions volontaires. On peut vouloir contribuer à, à, à la production des biens publics. Il y a toute une littérature maintenant en économie expérimentale au niveau des individus, sur le comportement des individus, sur la manière dont ils contribuent volontairement dans des petits jeux, dans des petites expériences de production de biens publics, comment la pression sociale, les préférences peut-être altruistes pour ce qui arrive à mon voisin font que je vais contribuer au bien commun. Donc on peut imaginer toutes sortes de solutions et on va en discuter une ou deux par la suite. Uh, donc, le, 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 bien public, le problème des biens publics, c'est un, un problème majeur de la théorie économique. Je vais refaire un petit historique dans quelques minutes, mais il faut bien avoir à l'idée que uh, quelques-uns des, des résultats les plus importants de la théorie économique de ces 50 dernières années sont probablement dus à l'étude de ce problème des biens publics. Quoi. Donc, uh, c'est quand même... Uh, uh, c'est notre marronnier à nous. C'est quelque chose qui revient régulièrement et, et dès qu'on a un nouvel outil théorique ou conceptuel, on va chercher à l'appliquer à la théorie des biens publics. Ici, on est en train de parler d'un bien public un peu particulier, c'est un bien pub public global. Quoi. Est, on n'est pas, pas au niveau d'un bien public produit localement par une municipalité euh, euh, ou, ou par un État, on est en train de parler d'un bien public. Euh, affectant des États souverains dans un monde où il n'y a pas de gouvernance globale pour imposer des solutions centralisées. Donc il va falloir, euh, on va, dans les mécanismes auxquels on peut réfléchir pour avoir des accords environnementaux, pour, pour produire du bien public, pour produire du climat propre, il va falloir avoir à, à l'esprit une contrainte de base qui est une contrainte de participation par des États souverains. Donc c'est une différence quand même assez fondamentale. Il y a certaines solutions auxquelles on peut faire référence, des exemples par exemple de marché de droits pollués, par exemple sur le SO2 en Californie, pour lesquels on peut imposer la participation des entreprises à des échanges de quotas, de permis. Ici, on ne peut, peut pas imposer à un pays de venir et de, de se forcer à, à participer à un accord environnemental. Il faudra qu'il y trouve, uh, qu trouve un certain bénéfice. Donc, dans ce cadre-là, quelles sont les, les contraintes institutionnelles On ne peut rien imposer il faut que les choses se passent euh, en respectant des contraintes de participation. Donc, c'est un défi théorique intéressant aussi, euh, parce que. Parce que souvent, on a des solutions toutes faites. Nous, économistes, on passe notre temps à avoir des solutions toutes faites. D'ailleurs, on adore ça. On a des solutions de textbooks, de livres de texte, toutes prêtes, qu'on peut vouloir utiliser dans tous les environnements, parce qu'on les connaît bien. Et parfois, les hypothèses sous lesquelles on pourrait les utiliser, on oublie un petit peu ces hypothèses et on fait comme si. Alors une des, euh, une, une des marottes pour résoudre le problème d'externalité environnementale, pour résoudre ces problèmes-là, euh, un, des, un, un des grands outils euh, qu'on a à notre disposition, c'est euh, le théorème de cause. Alors j'ai fait un magnifique jeu de mots pour euh, pour vous montrer <laughs> que, que, ce, que que ce théorème a, a quand même une pertinence limitée. Ce théorème il dit en fait que Bon, finalement, les solutions décentralisées, centralisées, ce n'est pas, pas la peine. Finalement, on n'a pas peut-être même pas besoin d'une gouvernance globale pour renforcer pour, euh, des accords environnementaux. Le marchandage décentralisé entre des individus, ici des États possibles, euh, le marchandage décentralisé euh, peut, sous certaines hypothèses, euh, atteindre l'efficience économique. Alors, je ne vais pas encore définir ce qu'est l'efficience économique, mais on va y revenir par la suite, mais euh, c'est quelque chose de bien, c'est le meilleur des mondes. On peut, euh, si, même dans un problème où il y a des externalités, même lorsqu'a priori, euh, mon action a un impact non seulement sur, sur euh, mon payoff, mon bien-être, mais aussi sur euh, ceux des autres. Euh, pays ou des autres individus qui composent une société, même dans ces contextes d'externalité, eh on peut arriver à des accords, à, des, à, à mettre en œuvre l'efficacité économique au travers de la négociation. Alors, il existe des formes de marchandage. Alors pour ça, il faut que, que l'information soit complète sur les préférences. Il faut qu'on sache un peu tout de, 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 de tous les agents qui peuvent être affectés par la négociation. Il faut que l'information soit complète, connaissance commune, on dirait. Il ne faut pas qu'il y ait de coûts de transaction. Alors la théorie économique est assez vague sur ce que c'est les coûts de transaction, mais ils ont des frictions dans le marchandage. Il ne faut pas qu'il y ait de telles frictions. Il faut qu'il y ait suffisamment de capacité d'engagement, alors là aussi on est assez vague, pour respecter les accords une fois qu'ils sont en place. Alors sous ces conditions-là, le théorème de cause s'applique et finalement les négociations environnementales décentralisées de gré à gré pourraient suffire à atteindre l'efficacité. Donc c'est merveilleux. Dans le monde de cause, euh, le problème du réchauffement climatique n'en est pas un, parce que nous allons tous nous mettre d'accord sur euh, les bons outils et les bonnes trajectoires euh, politico-économiques, politico-climato-économiques. Bien, donc euh, on sait qu'il y a une comme une longue série d'échecs dans les négociations ou de retards ou de délais qui sont inexplicables par le théorème de cause. Parce que s'il y a des gains d'efficacité à obtenir, dans un monde où il n'y a pas de friction, où l'information est complète et où on peut s'engager sur, sur les, les, les investissements possibles, peut-être, pour lutter contre le réchauffement climatique, dans ce monde-là, les accords globaux sont possibles, seront atteints. Et puis, ce n'est pas la peine d'attendre, on, on peut les atteindre de suite et faisons-le. Donc, il y a des raisons fondamentales à l'échec de ces négociations. Il y a des raisons profondes. Euh, et c'est ce qu'on va essayer de dévoiler aujourd'hui. Quelles sont les, les raisons profondes qui font qu'on n'est pas dans le monde causien euh, La négociation échoue. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde de second rang Quand les économistes ne peuvent pas atteindre l'efficacité économique, quand ils ne peuvent pas atteindre le premier rang, ils se réfugient dans le second rang. Alors, euh, on ne sait pas. On ne sait pas trop ce que c'est, ce le second rang. Ça dépend des contraintes supplémentaires qu'on va imposer euh, au, à la recherche des mécanismes, des solutions. Mais euh, c'est là que euh, l'économie moderne prend toute, euh, toute, toute, euh, exprime toute sa puissance. C'est là qu'on se régale, nous, économistes. C'est dans le second rang. Le premier rang, euh, euh, on n'y croit plus beaucoup. Donc. Euh, euh, il faut, on va essayer de construire un cadre plus, dé, plus réaliste pour parler des négociations environnementales, mais bon, vous, de, de l'environnement, vous pourrez passer à autre chose et voir que les principes de base de, 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 des théories que je vais présenter, de la théorie que je vais présenter, s'appliquent aussi à d'autres types de négociations, hein, hein, sur la dette ou que sais-je encore. Donc, on va parler de la théorie du mécanisme design. Alors, c'est un peu. Donc encore une fois, un peu d'anglo-saxon. Mais l'architecture des mécanismes, ou le design des mécanismes, ça ne va pas faire beaucoup mieux. L'architecture des mécanismes, c'est pas super, super parlant non plus. Donc, on va regarder « mécanisme design comme, » comme, comme expression générale, comme terme générique pour parler de, de comment construire des solutions de second rang à tous ces problèmes. Et ces solutions de second rang, elles apparaissent dès lors qu'on a des contraintes supplémentaires, comme je disais, euh, qui s'imposent. Euh, et ces contraintes supplémentaires, euh, celles qui vont m'intéresser aujourd'hui, ce sont des contraintes d'information asymétrique. Les parties, dans une négociation, détiennent des informations privées sur leurs préférences, sur les coûts, par exemple, d'ajuster, d'ajustement, les coûts euh, qu'on va avoir à. à à affronter au niveau local pour mettre en œuvre une politique environnementale efficace au niveau global. On va avoir de l'information privée là, sur ces, sur ces coûts-là. Ou peut-être sur des coûts politiques à, 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 à convaincre les, à, les groupes de pression domestiques avant d'aller dans une négociation. Il y a tout un tas d'informations privées qui nous font nous éloigner du monde causien. Premier point. L'information privée en tant que telle, on peut, elle n'est pas un problème si, si on pouvait imposer les solutions avec une gouvernance extérieure, globale, internationale, imposant à tous les États de participer à certains mécanismes. Mais la deuxième contrainte, c'est que la participation doit être volontaire. Et la troisième contrainte dont je parlerai un peu moins aujourd'hui, euh, mais qui a, qui a fait l'objet un peu de, certes, de certains de, de mes travaux, consiste à aussi à rajouter une capacité d'engagement des parties à la négociation qui est limitée. Hein on sait que les gouvernements vont changer, les préférences peut-être vont changer vis-à-vis -vis du réchauffement climatique, et donc on a des capacités d'engagement sur des profils d'investissement, par exemple, qui peuvent être limitées. Donc, ça, c'est un autre, une autre friction qui peut nous faire nous éloigner du monde, du monde causien. Okay. Donc voilà, la théorie du mécanisme design, c'est une théorie qui ajoute des problèmes d'information, qui, qui regarde comment ces problèmes sont, peuvent être en conflit avec des problèmes de participation, et qui offre une manière de discuter de politique de second rang euh, qui nous fait nous éloigner du modèle causien. Donc. Euh, euh, alors, qu'est-ce que c'est plus. Je pense qu'on apprend pas mal de, de, la, de la théorie économique en regardant comment elle est, comment elle est construite, comment elle s'est construite. Et, et donc, en fait, c'est toujours utile, je trouve, de faire un petit rappel historique sur, euh, sur euh, l'état des savoirs à différents euh, points dans le temps. Donc, le problème des biens publics, comme je vous l'ai dit, euh, en introduction, c'est un problème qui, qui revient régulièrement dans la théorie économique et qui, et qui pèse sur son développement. Quoi. Donc, une, une première... Donc, le problème, encore une fois, je rappelle, c'est la dissonance entre les incitations individuelles à faire des efforts pour maintenir le niveau de bien public, pour maintenir un climat propre, et euh, le, le, le bien-être collectif, les conséquences collectives de l'action. En général, les gens euh, n'internalisant pas toutes les conséquences de leur action pour le reste de la société ou pour le reste du monde ont tendance à ne pas faire assez d'efforts, à pas assez d'investissements dans les biens publics. Donc ce problème-là, les les, so, une des premières solutions pour le, pour le résoudre a été proposée par, par Lindal, qui consiste à avoir des, des marchés individuels. Dans lequel on va, offre, on va présenter au, au, à chaque individu des prix, des prix personnalisés. Et c'est par rapport à ces prix que chaque individu va faire ses décisions sur les biens publics. Ensuite, on va, on va avoir une règle d'agrégation de ces prix pour savoir quel est le niveau de biens publics qu'on va produire au niveau de la société. Mais l'idée de base, c'est qu'il y a des marchés individuels. Alors, c'est avec des prix sur, sur, dans cette solution de Lindahl. On est dans un monde d'information complète. Euh, où chaque individu adopte un comportement non stratégique par rapport au prix qu'il paie pour, les, pour, les, pour le bien public. C'est des prix individualisés, mais cependant, je reste non stratégique. Donc il y a, quelque, il y a une espèce de hiatus entre, entre ces, ces deux possibilités. En fait, le, les, les mécanismes de Lindahl ne, peuvent, être, peuvent être manipulés par des comportements stratégiques des individus. Il n'y a pas de raison de se comporter de manière concurrentielle sur un marché où vous êtes tout seul. Donc la solution de Lindahl a vite été abandonnée et elle, elle a été abandonnée doublement parce que pour créer des prix de Lindahl, pour créer des prix individualisés pour le bien public, il faudrait avoir l'information parfaite sur les préférences de chacun parce que le prix que chacun doit être prêt à payer pour le bien public doit refléter ses préférences. Donc le, le, le planificateur dans une solution euh, 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 organisant ces marchés, ces marchés euh, séparés, euh, doit avoir connaissance Parfaite de toutes les préférences des individus. Et ça, c'est bien sûr une hypothèse euh, discutable qui a été discutée. Et dans les années 70, il y a eu une révolution en théorie économique qui a été d'introduire de, de, la notion d'information, d'information privée, et de regarder comment cette information privée affecte euh, la qualité des échanges. Et donc, il était assez naturel d'appliquer ces idées-là. Au problème des biens publics. C'est ce qui a été fait par, euh, dans une série de travaux euh, assez, assez innovants par Grove, Green et Laffont, euh, dans les années, donc euh, au début des années 70. Donc en gros, c'est des héritiers de Samuelson et de Harrow. Samuelson, à cause de ce problème de biens publics, euh, parce que Samuelson avait pointé très tôt la manipulabilité des, méca des mécanismes de Lindahl. Euh, c'est des héritiers d'Harrow parce que, parce que d'abord, euh, pour. Euh, pour Green ou Numa c'était des étudiants d'Aro, et, et, et Aro leur avait euh, expliqué l'intérêt d'introduire les contraintes d'information dans ces problèmes-là. Et ces gens-là ont, ont bâti une théorie qui aujourd'hui euh, est encore euh, euh, sur le devant de la scène. La théorie des mécanismes est une théorie euh, très très importante dans, dans toute l'économie moderne. Mais ils l'ont bâti précisément à partir de ce problème des biens publics. Donc cette théorie-là leur a permis de traiter du problème de free riding et de lui donner des fondations informationnelles. Donc le cadre développé, c'est un cadre dans lequel on a des agents. Qui ont des préférences qui sont leur information privée. Donc ils évaluent de manière privée le bénéfice d'avoir un bien public. Euh, ils ont cette information privée et, et ils peuvent vouloir manipuler ces préférences, prétendre que pour eux c'est pas si important que ça de lutter contre le réchauffement climatique et ainsi moins contribuer, moins donner d'argent, moins mettre d'argent sur la table, moins investir, moins faire d'efforts pour lutter contre le bien pour, pour le Contre le réchauffement climatique. Donc, ils peuvent bénéficier de cette information privée pour, pour ma manipuler le, le, le mécanisme. Et donc, il s'agit de construire des mécanismes non manipulables qui alignent les préférences des acteurs, les indiv préférences individuelles des acteurs avec les préférences de la société dans son ensemble. Donc, c'est un problème difficile. Donc, vous avez des gens que vous ne connaissez pas, ils peuvent prendre des actions et il faut aligner ces actions avec celles. De la société dans son ensemble. Il y a des solutions, mais il y a des solutions qui sont possibles dans certains environnements institutionnels et qui échouent dans d'autres. La première vague de solutions qui fut proposée euh, consiste en fait à faire payer à chaque individu une taxe qui reflète l'impact de son action sur le reste de la société. Okay. Donc, euh, ces, ces, ces mécanismes font, en quelque sorte, payer à chaque individu l'externalité qu'il exerce par son action, par son choix d'investissement dans le bien public, par, sur le reste des individus. Okay Donc, on peut construire des mécanismes. C'est les fameux mécanismes de Grove, comme euh, comme les appelait euh, euh, Green et Laffont. Groves inventé ces mécanismes, mais ce n'est pas lui qui leur a donné son nom. <laughs> C'est Green et Laffont qui ont, qui ont ensuite donné le nom. Et on peut faire ça suivant différentes conditions. Euh, on peut faire ça en voulant respecter une certaine équipe budgétaire. Il faut que, euh, par exemple, le système de taxes soit balancé. Euh, ou on peut faire ça sans respecter l'équipe budgétaire. C'est plus facile de faire. Alors, il y a tout un tas de notions, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais de notions plus de, de mise en œuvre des mécanismes, d'implémentation, pour employer un mot de jargon, d'implémentation des mécanismes qui permettent de réaliser, de, de, de construire ces, ces mécanismes pays externality et de respecter à la fois les contraintes budgétaires. Euh, parfois, si on impose ces contraintes budgétaires, on ne peut plus faire, faire des mécanismes pays externality suivant le concept d'implémentation. Bon, je, passons sur ces détails-là. Mais l'idée, c'est que le problème d'information en tant que tel n'est pas forcément un problème. Je peux le résoudre. Si, si ce problème d'information n'est pas couplé à un deuxième problème, qui est le problème de participation volontaire au mécanisme. C'est précisément lorsque on va demander aux agences s'ils veulent participer ou pas au mécanisme, que là, l'information... Peut rentrer en conflit, les contraintes informationnelles peuvent con rentrer en conflit avec les contraintes de participation. C'est un résultat extrêmement important de la théorie économique. Et c'est un résultat euh, qui, euh, qui euh, a été démontré une première fois par Laffont et Maskin, euh, puis dans un contexte très très différent, dans un contexte d'échanges bilatéraux par Myerson et Satterwait. Puis en fait, en revenant encore une fois au bien public, dans des économies larges avec un, un grand nombre de, de participants potentiellement par Mellat et Postelwait. Et c'est ce, dans ce monde-là où on va avoir un conflit entre la participation au mécanisme et les incitations euh, qu'on va être dans le second rang, qu'on va avoir des inefficacités, qu'on va plus avoir des négociations efficaces, si vous voulez. Et il y a quelques exemples euh, d'applications de, ce, de ce, ces théorèmes d'inefficacité, euh, notamment dans le domaine environnemental par, par euh, quelques, quelques auteurs. Ces applications-là, en fait, sont inadaptées pour parler du problème de réchauffement climatique. C'est des, des, des modèles qui considèrent que chaque participant au problème de bien public, au problème de, de mécanisme euh, finançant un bien public, chaque participant a un droit de veto sur le mécanisme. C'est-à-dire que s'il se retire, rien ne se passera. Donc, ces résultats d'inefficacité, euh, dans ces articles de la forme masculine ou Mellat et et leurs applications dans le domaine environnemental, sont basés sur une hypothèse très importante, c'est que si je me retire, si je dis non à la négociation, il ne se passera rien du tout. Euh, non seulement je suis souverain mais j'ai le droit de veto en fait. c'est très fort c'est une contrainte très pesante sur les mécanismes donc ce que j'ai cherché à faire avec un co-auteur qui est prof à l'université de Toulouse euh, nous avons cherché à construire un mécanisme, euh, des mécanismes qui permettent de traiter de ce problème de riding, de passagers clandestins dans des environnements où la participation est une notion plus faible. Je me retire d'un accord environnemental. Peut-être que les autres vont continuer. Peut-être que de tout, mais peut-être qu'ils ne vont pas continuer mais il y aura quelque chose, il y aura le, une trajectoire politico-économique ou climato-économique, il y aura euh, un, un business as usual peut-être. Ah, c'est pas mais pas la, si je me retire il, il se passe quelque chose quand même quand le monde continue. Ah. Donc c'est la manière d'écrire les contraintes de participation va être maintenant déterminante pour évaluer euh, les conditions sous lesquelles l'efficacité est possible et est accessible, atteignable. Okay. Donc, ce que, on, a, on a donc une, une petite série de, de, de travaux et ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est une version édulcorée un d'un de ces, euh, ces articles. Lorsqu'on met la participation au cœur de l'analyse, en fait, on introduit deux formes de free riding. La première, la première forme de free riding, c'est le free riding euh, qui existe déjà euh, chez Grove, Ledyard, Green, Lafon, euh, Mellat, post et chez tous les autres. C'est le free riding euh, marginal, le free riding à la marge intensive. Si vous avez une préférence pour le bien public, qui est assez marqué, et si on vous demandait de le financer à hauteur de ses préférences, mais si vous avez l'information privée maintenant sur ces préférences, vous avez envie de les cacher un petit peu, de dire oh non, je ne suis pas prêt à payer autant. Donc, mais c'est une, une. Vous n'êtes pas prêt à payer autant, mais vous êtes prêt à payer quand même un peu, quoi. Donc c'est un, un free riding marginal, à la marge intensive, on dirait. Donc ça, c'est. C'est le free riding étudié par la littérature jusqu'à présent. C'est le free riding sur les, les, qui porte uniquement sur les incitations. Hein, sur euh, « Je vais investir un petit peu moins pour faire croire que je que que, que n'ai pas, pas, pas autant envie que ça de lutter contre le réchauffement. C'est à la marge intensive. C'est ce que j'appelle la frime. La deuxième forme de free riding, lorsqu'on parle d'accords environnementaux où on a à participer ou pas, c'est un free riding à la marche extensive. Il y a une décision zéro ou un, soit j'y suis, soit j'y suis pas. Certains pays peuvent préférer ne pas participer. Et tout ça, si j'y suis ou si j'y suis pas, viendra de la comparaison entre les gains respectifs à être dans le mécanisme ou à être en dehors. Okay. Et, donc, et ça, c'est une forme nou, nouvelle de free riding. C'est une forme euh, qui, euh, qui, dans la théorie du mécanisme design, n'a pas été vraiment étudiée et qu'on étudie dans ces articles. -là. Donc, Et, et j'appelle ça la FREM. Donc, qu'est-ce que c'est que la frame euh, C'est spécifiquement lié au problème de participation. Donc, le problème de participation, arrêtons-nous un peu sur ce, sur, pour essayer de, de comprendre, de visualiser euh, ce problème de participation sans pour l'instant mettre trop d'équations dessus. Donc, je participe à un accord si les gains à participer à cet accord sont bien sûr supérieurs aux gains à ne pas y participer. C'est une, une trivialité, mais, euh, mais il se cache beaucoup de choses derrière cette trivialité, comme souvent derrière toutes les trivialités. Euh, Qu'est-ce que c'est que le gain à ne pas y participer Si je décide de me retirer d'une coalition, d'un accord environnemental, je dois former des conjectures sur ce qui se passe si je n'y suis pas. Donc et ces conjectures peuvent être, peuvent être très variées, et on, a, on a beaucoup de possibilités. Une première possibilité, c'est l'unanimité, c'est si je ne participe pas, j'ai en quelque sorte un droit de veto sur les accords environnementaux, si je ne participe pas, personne ne participera. Donc ça, ça donne lieu à certaines trajectoires. Peut-être que, peut que tout le monde reste ensuite sur une trajectoire de type business as usual, personne ne participe. Et et, et voilà donc ça c'est on, on imagine assez bien que ce type de conjecture est plus facile à, euh, à satisfaire parce que euh, si, si lorsque je sors d'une coalition euh, euh, c'est la fin du monde personne se mettra d'accord et euh, on voit que'' une double quoi, je, je me taxe moi-même quoi je, je sors de l'accord, euh, mais je vais être puni par le fait que les autres ne se mettant pas d'accord, euh, il va y avoir production peut-être euh, euh, d'assez peu de biens publics. Et donc euh, c'est quand même un niveau de, de gain qui est assez faible. Si par contre, lorsque je sors de la coalition, eh bien... Les autres restent à la table de la négociation, continuent à négocier, se disent non, on ne peut pas, il faut quand même qu'on qu ait un accord, euh, il faut, il faut qu'on fasse quelque chose. Ah, là, on voit que j'ai tout intérêt à sortir. Parce que j'ai plus d'intérêt, c'est plus facile pour moi de sortir. Parce que lorsque je vais sortir, si les autres continuent à, à lutter contre le réchauffement climatique. Ben, j'ai mon free riding, mon, ma frame là, mon free riding à la marge extensive. Le niveau de bien public va quand même être assez important. Le, le climat pas trop détérioré. Ça me donne vraiment envie de sortir. J'ai pas envie de, j'ai vraiment pas envie de payer, de payer les coûts d'être dans un accord. Si lorsque j'en je, sors, il y a quand même un accord, quoi. Donc cette, cette question de la participation et de comment on écrit la participation, comment euh, quelles sont les capacités d'engagement de ceux qui restent à la table de négociation Si, si ceux qui restent à la table de négociation ont, ont, ont peu de capacités d'engagement, si, si on sait qu'ils vont signer pour sûr quelque chose, qu'ils vont se mettre d'accord, eh bien, bah le... Le free riding à la marge extensive, il est, il est très très fort. Vous n'avez vraiment pas envie de participer à un accord où les autres sont déjà... Vous allez pouvoir bénéficier, free rider, à fond sur le fait que, que ceux qui y sont vont faire les efforts pour vous. Okay et donc, et ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va être très très difficile de mettre en œuvre des politiques efficaces. Ah, tout le monde a envie de sortir parce que tout le monde fait ce raisonnement. Tout le, on, on regarde un équilibre de ce système. Tout le monde pense que il est. Il, 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 dans la région où j'habite maintenant, ils, ils ont, à Besançon, ils ont une expression. Ils disent ils ont meilleur temps. C'est une bonne expression pour dans le cas du réchauffement climatique. Ils ont meilleur temps à sortir de l'accord et à laisser les, le reste de la coalition se. Se mettre d'accord, négocier sur quelque chose. Donc ce problème de conjecture, il est fondamental. Euh, business as usual est une possibilité, mais il y en a bien d'autres. Et, et, et ce problème-là, il sort dans la théorie du mécanisme que je vais présenter, euh, il sort sous quelle forme Il sort sous la forme de contraintes de participation, donc ça... C'est une contrainte de participation euh, qui sont euh, en quelque sorte endogènes, quoi, qui dépendent un petit peu des comportements, des préférences. Et c'est un problème. Ça donne lieu à des problèmes théoriques assez compliqués, de, euh, de maths en fait, hein, de, de, contrôle, de contrôle optimal assez, assez complexe, qu'on a étudié avec, euh, avec un autre côte. Euh, mais c'est aussi un problème qui apparaît dans une toute autre. Euh, branche de la littérature. Une branche de la littérature qui, qui a vu les accords environnementaux comme des problèmes de formation de coalitions dans des jeux qui sont plus ou moins coopératifs. Et donc il y a une littérature très importante, et à la fois en taille et en, en, en valeur, qui a essayé de, de traiter de la stabilité des coalitions environnementales. Sans trop se poser les problèmes de, de quelles sont les décisions que ces coalitions vont, vont faire, et, 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 et surtout en se posant le problème de, la, de leur stabilité, des incitations individuelles à rester dans les coalitions ou à en partir. Je ne vais pas traiter de, de ce que je n'ai pas fait, donc c'est d'autres qui l'ont fait, et je vais plutôt traiter de ce que j'ai regardé. Alors, j'ai quelques, quelques, quelques formules, quelques équations, juste pour vous donner un peu une idée euh, du type d'analyse qu'on peut faire. C'est euh, un, un monde avec un continuum de pays euh, fais le tour une masse unité. Euh, donc, on n'a pas de gros pays. Hein. Chacun, chacun est relativement petit, mais mais c'est juste pour pour gagner un peu de tractabilité dans l'approche. Euh, c'est n'est pas fondamental. Mais donc il y a un continuum de pays qui et ces pays sont hétérogènes. Ils ont des coûts de mettre en œuvre des efforts pour réduire la pollution qui sont euh, variables, hein, qui dépendent d'un paramètre. Ce paramètre tetais mesure l'efficacité de chaque pays pour mettre en œuvre des politiques environnementales pour pour réduire, pour réduire le, le réchauffement. Ces politiques ont des bénéfices locaux ou des bénéfices globaux. Notre interprétation, c'est que les bénéfices globaux, c'est les bénéfices qui arriveront dans le futur, qu'on a des, des, impacts, des impacts locaux des décisions immédiatement, parce qu'il va falloir changer les investissements, peut-être réorganiser le secteur productif, etc. Et puis ensuite, il y a des bénéfices globaux qui vont venir peut-être avec ce, un climat donc, euh, amélioré. Ce paramètre alpha mesure un petit peu le poids relatif du global et du local, mais encore une fois, c'est juste pour permettre une renormalisation. Les préférences mettent en évidence les coûts, les bénéfices locaux et les bénéfices globaux. C'est au travers de ces bénéfices globaux qu'apparaissent les externalités. On va voir dans quelques minutes quelle est la différence entre l'incitation individuelle à faire des efforts et l'incitation collective, ce qui serait le mieux dans le meilleur des mondes. Donc ça, c'est c'est le gain du pays, le bien-être local hein, du pays. Et les TI, c'est peut-être des transferts monétaires qu'on peut, qu peut organiser au travers d'un du, mécanisme. Euh, des transferts monétaires entre pays, euh, où on peut leur donner une interprétation plus large aussi. Peut-être qu'on veut conditionner les politiques environnementales à d'autres types de politiques, peut-être à des, aux politiques sur les, les échanges commerciaux. Euh, Uh, peut-être qu'on peut vouloir avoir des, des politiques donnant-donnant si vous investissez plus dans l'environnement mais peut-être que vous aurez des, des, des avantages commerciaux par exemple et tout ça c'est capturé par cette dimension supplémentaire par, ce, par ces espèces de, de, de transferts monétaires qu'on va pouvoir organiser entre les pays qui feront qu'on a un peu un jeu uh, au niveau de CTI on a un jeu à somme nulle ce que l'on va donner à l'autre on va le prendre à l'heure L'information privée, donc c'est le, le cœur de mon analyse, vient du fait qu'il y a de l'information privée sur les coûts d'opportunité à exercer des efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc ces coûts d'opportunité, ça peut être, encore une fois, les CI, là, ces coûts d'opportunité, ça peut être des coûts de technologie, et de, de changer l'appareil productif, mais ça peut être aussi des coûts de lutter contre euh, les groupes d'intérêts internes qui peuvent s'opposer à des réformes euh, environnementales. Donc, il y a des coûts qui sont variables suivant l'importance de, de ces groupes d'intérêt. Euh, euh, on peut avoir plus ou moins de. Et ça, pff, on n'a pas forcément une, une, une forte idée de l'extérieur. Donc, bon, passons sur le, 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 le seul point important, c'est le fait que chaque pays a une information privée sur son coût d'opportunité. Ensuite, on va faire comme tous les économistes qui étudient des modèles d'information asymétrique. On va spécifier. Une distribution possible sur ce qu'on ne connaît pas. On est dans un monde bayésien quoi, où, où on a une distribution a priori des, des possibles, des, des possibles paramètres θ qui caractérisent l'efficacité euh, de chaque pays. On a une distribution possible qui, elle, va être connue. Bon. Euh, on ne sait pas faire grand-chose dans des mondes un peu, un peu moins spécifiés, donc euh, restons dans ce monde-là, ça nous suffira. Le meilleur des mondes. Le meilleur des mondes possible consisterait à recommander à chaque pays un niveau d'effort, d'investissement, avec en tête l'impact de cet investissement, non seulement au niveau local, mais au niveau global. Donc, ça consiste à agréger les utilités, les pay les bien-être de chaque pays dans le monde et d'avoir une espèce de planificateur hein, qui dirait toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Ce meilleur des mondes possible est, a priori, euh, ce que le marchandage décentralisé euh, de cause pourrait nous amener à réaliser si on était dans un monde d'information complète. Donc, euh, ce meilleur des mondes, eh bien, je prends en compte l'impact de mon effort non seulement au niveau local, mais au niveau global. Euh, et bon, une, une ligne de maths me montre que l'effort reflète précisément mon efficacité, mon paramètre d'efficacité. Et en gros, c'est construit pour ça. J'ai construit mon modèle de manière à ce que le paramètre d'efficacité soit en fait un indicateur de l'effort de premier rang. Toutes les normalisations sont faites pour cela. Donc, l'effort individuel est d'autant plus important que les tétains, le paramètre θ est important. Le paramètre θ est important quand le coût est faible. Moins ça vous coûte d'investir, plus vous investissez. Et pour la société, le bon niveau, c'est d'investir en rapport avec votre coût euh, d'état. Donc, ça, c'est la solution de premier rang. Ah, supposons qu'on n'est pas d'accord et qu'on soit sur une trajectoire de business as usual. C'est-à-dire que chaque individu, chaque pays, ne prend en compte que l'impact local lorsqu'il évalue quel est son, son niveau d'effort. Donc, si je prends en compte que l'impact local. Je me moque de l'impact global, je le prends comme une donnée, et, les, et comme l'impact local est inférieur à l'impact global, j'ai moins envie de faire d'efforts. C'est là qu'est mon phénomène de free riding, de passager clandestin. Je vais avoir moins d'efforts qu'au premier rang, et mon paramètre alpha mesure précisément la proportion de ce moins d'efforts. Et bien sûr, comme. Cette solution est un équilibre euh, euh, non coopératif entre États. Cet équilibre non coopératif donne lieu à des niveaux de bien-être globaux pour la société, pour le monde dans son ensemble, qui sont inférieurs à ceux de premier rang. C'est le résultat du freeriding. Donc on va essayer de construire maintenant des mécanismes qui nous éloignent de cette solution de business as usual, de cette trajectoire économique, euh, et qui nous rapprochent du premier rang. Le premier rang est inaccessible. À cause de l'information asymétrique et des contraintes de participation. Mais on va essayer de se trouver quelque part au milieu. Et alors, première chose qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser un, un marché. Alors, mon modèle n'est pas un modèle de pollution. C'est-à-dire que les décisions ne sont pas des pollutions. Les efforts sont des, efforts, sont des investissements pour, euh, pour réduire la pollution. Donc, il faut un peu de, de gymnastique de l'esprit. Euh, je vais parler peut-être euh, par la suite de marchés de droits à polluer, alors que les efforts, eux, ne sont pas des, 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 des pollutions, mais plutôt, euh, plutôt des investissements. Quoi. Donc, les, le, le, les marchés correspondants seraient des, des marchés euh, pour. Euh, non pas pour des droits, mais pour des, des devoirs, quoi, en quelque sorte. Donc, supposons qu'on qu donne à chacun euh, un des investissements possibles, E0, hein, des niveaux E0 d'efforts. C'est leur dotation, c'est leur quota initiaux. Et sur un certain marché, on peut, on, on peut s'échanger au prix P ces, ces, ces dotations. Donc, encore une fois, c'est la version duale du, du marché de droits pollués. C'est un, un peu une gymnastique, mais... Donc, on peut s'échanger sur ces marchés, on peut s'échanger ces devoirs à faire de l'effort. ceux qui... Qui les font facilement, les efforts, ils peuvent, ils peuvent en acheter. Ceux qui les font difficilement, ils vont vouloir en vendre pour, pour, en, 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 pour avoir moins d'efforts à faire que ceux qui leur est prescrit initialement. À cause de l'information asymétrique, les dotations initiales, les E0, les points de référence du marché, sont des choses qu qui ne dépendent pas des, des types, qui sont données a priori. Donc tout le monde, quel que soit son paramètre, θ, quelle que soit son information privée, a a priori la même dotation. Et ensuite, sur le marché, on peut échanger ses devoirs, on peut échanger ses efforts à faire. Euh, on peut échanger ses efforts, et quel est le, le fonctionnement idéal de ce marché Le fonctionnement idéal de ce marché consiste à avoir un prix sur ces marchés qui reflète l'impact de l'effort, l'impact global de l'effort. Donc, en gros, euh, euh, si l'effort a un impact local alpha, si l'effort l'impact marginal de l'effort, c'est global, c'est 1 moins alpha. Il faut que le prix reflète ce 1 alpha. Il faut que la subvention à l'effort reflète l'impact le, glo global. Et à ce moment-là, si cette subvention donne des bonnes incitations à la marge à faire de l'effort, si le, le marché donne les bonnes incitations à la marge à faire de l'effort, si j'ai 1 moins alpha ici au lieu de, du prix P du marché... Si j'ai ça, je fais un effort qui sera θ, l'effort de premier rang, qui reflètera parfaitement mes préférences. Et à ce moment-là, je peux calculer les dotations de manière très simple pour que ce mécanisme de marché fonctionne parfaitement et alloue les droits efficacement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce mécanisme chaque, Si le prix de marché, c'est un moins alpha, chaque pays internalise parfaitement l'impact de ses efforts euh, sur euh, le reste du monde. Très, il n'y a, a donc pas de frime, là. on a cessé la frime. Ah. Donc, il n'y a pas d'incitation à, à freerider, il n'y a pas d'effet de, de, de passager clandestin à la marge. Les bons efforts sont, euh, sont réalisés. Le problème de ce mécanisme-là, euh, c'est qu'au final, pour les agents les plus inefficaces, pour ceux qui ont des tétans très faibles, euh, qui vont se retrouver en fait à, 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 à faire peu d'efforts, ces gens-là ont envie de quitter le marché. Le mé ce mé ce, mé ce mécanisme-là n'assure pas la participation des. des les états les plus inefficaces. Euh, en particulier, on peut montrer th ce théorème, alors c'est un théorème, c'est un peu de l'économie floue, là, hein, que je suis en train de vous faire, c'est un théorème dont, les, dont, les, euh, dont vous ne voyez pas très bien les hypothèses, le, 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 le libellé du théorème est aussi euh, assez, assez imprécis, savez, presque jamais ça veut rien dire. Euh, en fait, euh, il existe des conditions, et en fait, j'ai plutôt tendance à croire qu'elles sont plutôt générales. Euh, il existe des conditions sous lesquelles le marché ne peut pas à la fois résoudre le problème de la frime, des incitations marginales, et résoudre le problème de participation. C'est-à-dire que les, les plus mauvais, les pays les, qui, 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 pour lesquels c'est le, le. qui ont les états les plus euh, euh, faibles, qui ont donc les coûts. D'efforts les plus importants, ces pays-là, ils n'ont pas envie de participer au marché, ils préfèrent quitter le marché et participer au, au scénario, à un scénario business as usual. Donc, il, en, en gros, le, le, le problème, c'est que le prix, il reflète des bonnes incitations, mais il est, il est trop élevé. Il est trop élevé pour ceux qui sont les plus mauvais à faire de l'effort. Ces gens-là ont envie de quitter l'accord. Et donc, il y a un arbitrage à faire dans ces mécanismes. Il y a un arbitrage à faire entre les incitations à la marge et les incitations à la marge extrinsèque. Donc, entre les frimes et les frais. Ah, et ce n'est pas seulement le fait du marché. Tout mécanisme, que ce soit le marché, le contrat, la contribution volontaire, tout mécanisme doit, euh, devra faire face à des arbitrages entre les incitations marginales à faire de l'effort et les incitations à participer à des mécanismes qui font faire des efforts. Okay. Euh, en gros, pour tous ces mécanismes, ce qu'on peut démontrer, c'est qu'on peut améliorer la situation. C'est-à-dire qu'il il, existe, plus exactement, il existe une large classe de mécanismes, que ce, que, que ce soit le, les, au travers de contrats, de contributions volontaires ou de marchandages généralisés, mais tous ces mécanismes ont le même problème. Si vous voulez que les gens participent, il faut abandonner l'idée qu'ils vont parfaitement internaliser l'impact de leurs décisions sur le reste de la société. Il y a un arbitrage fondamental, participation versus incitation individuelle. Donc si vous voulez du monde à la, à, qui accepte le mécanisme, il va falloir concéder sur les incitations. Il va falloir avoir un prix ici. Qui ne reflète pas l'impact sur le reste de la société, mais qui soit inférieur. Okay c'est euh, un arbitrage inévitable, ou presque inévitable, et c'est pour ça que je dis que c'est presque jamais, que le marché ne marche presque jamais. Mais le marché, comme tout autre mécanisme, on ne peut pas avoir efficacité et participation. Okay euh, alors, je ne sais pas trop combien de temps il me reste. Hein? Euh, oui, 3-4 minutes, ok, 5 minutes. Ok, Mais bon, bon, en gros, j'ai presque, presque fini, parce que maintenant, puisqu'on ne peut plus atteindre le premier rang, on peut peut-être euh, essayer d'atteindre le second rang, avoir des solutions, euh, des solutions euh, alternatives, des trucs, des mécanismes qui marcheraient un peu, qui amélioreraient la situation par rapport au business as usual, mais peut-être qu'ils ne seraient pas capables d'atteindre, et on sait qu'ils ne seront pas capables d'atteindre l'efficacité complète. Donc, voilà un mécanisme qui, qui est une espèce de fond vert, qui, qui, est basé sur, qui essaie d'obtenir un compromis entre les incitations marginales et les incitations à participer. Et pour avoir un compromis entre deux objectifs, c'est bien d'avoir deux options dans le mécanisme. De ne pas chercher à, à avoir tous les agents, tous les pays soumis à la. À aux, aux, aux mêmes conditions. Il y a une méta-règle. La méta-règle, c'est que chaque pays est en face du même nombre, des de, même, mêmes possibilités, des mêmes options. Mais à l'intérieur, on va laisser les différents pays choisir des options en fonction de leur information privée. Et donc, on va avoir deux options dans ce mécanisme euh, une option qui consiste juste à mettre de l'argent dans un fond, et une autre option qui consiste à peut-être mettre de l'argent dans le fonds, mais aussi être subventionné pour ses investissements. Le fonds est, est, est euh, euh, alimenté par les contributions de tout le monde. Tout le monde contribue un peu pour le, sur le fonds, mais les contributions sont différentes si ensuite on choisit l'option incitative. Dans l'option incitative, on va aussi avoir une subvention pour chaque unité d'investissement pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc on va avoir un peu de prix pour certains, pour ceux qui vont choisir cette option incitative et on va avoir pas on va pas avoir de prix juste une contribution fixe pour ceux qui ne la choisissent pas donc deux options une option incitative une option de, qui assure la participation du plus grand nombre à euh, un équilibre budgétaire ceux qui participent une, une, et ne font que ça mettre de l'argent mais ils vont bénéficier bien sûr de l'effort de ceux qui investissent donc euh, ah, faut. On ne met pas de l'argent contre rien. Quoi. On met de l'argent parce qu'on on sait qu'il y en a d'autres qui vont investir avec cet argent. Et puis, une option plus incitative qui consiste pour d'autres à peut-être mettre de l'argent, mais aussi à être rémunérés à la marge pour leur effort. Et à la marge, on ne va pas être rémunéré complètement. On ne va pas être rémunéré... Euh euh, en fonction de, de la subvention pigouvienne qu'il faudrait faire pour internaliser complètement l'impact de l'effort sur le bien-être global. Ça va être un peu moins. Et, et l'équipe budgétaire est assurée de manière à ce que les contributions fixes des différents, euh, des différents groupes de pays, hein, du, du pays qui, de groupe qui choisit l'option incitative et du groupe qui choisit juste l'option participative, il faut que l'équipe budgétaire soit assurée. Donc les contributions globales couvrent le coût de la subvention au, à ceux qui sont les plus à même euh, d'investir. Et euh, la proposition, c'est que il existe ainsi un menu optimal, avec des contributions fixes euh, associées à ces différents groupes, et aussi avec une, une subvention euh, à la marge, hein, euh, euh, qui, elle, encore une fois, ne reflète pas, ne reflète pas euh, la solution. Euh, de premier rang, on a un prix qui est inférieur à la, à, la, à la subvention pigouvienne. Et seuls les pays les plus efficaces vont choisir cette option incitative. Les autres restent sur une solution qui dépend. La leçon, c'est que si vous voulez des gens qui participent au mécanisme, si vous voulez assurer la participation du plus grand nombre, il faut être prêt à concéder, à concéder sur l'efficacité des mécanismes. Avoir euh, des, des prix, euh, de, des subventions qui ne reflètent pas la valeur sociale de l'effort, qui sont inférieures. Euh, donc, en, la leçon 1, c'est que les mécanismes de marché euh, sont euh, de marché plus simple et pur, sont inadaptés dans ces contextes d'interaction entre États souverains à cause de ces contraintes de participation. Euh, il faut trouver autre chose, il faut trouver des, des solutions... Euh, euh, avec, des, avec, euh, avec des possibilités d'options d'être de, dedans ou pas dans le mécanisme, de contribuer différemment, euh, avec peut-être des, des choses incitatives, mais pas aussi incitatives que le marché. Et que c'est uniquement dans cette direction-là qu'on peut assurer plus de participation. Et l'arbitrage est un arbitrage fondamental entre incitation et participation. On ne peut pas l'éviter. Euh, C'était le, le théorème 2. Mais on peut faire des solutions de second rang, encore une fois. Et ce qu'on a démontré dans un, dans, un, dans un des articles avec euh, Wilfried Sandmann, c'est que même si vous pensiez à la meilleure solution de second rang, la meilleure, vraiment quelque chose de, de, de ce que nous, les théoriciens, on appelle l'optimal mechanism design, hein, le, la, la, la meilleure chose, mais la meilleure chose... Pff, elle n'est pas, pas loin de ce qu'on peut atteindre avec seulement deux options. Donc, euh, ce n'est pas très compliqué, mais ça permet de faire vraiment le meilleur des mondes possible. Possible. En conclusion. Euh quels sont les problèmes ouverts Le Problème ouvert, bien sûr, c'est d'aller un peu plus dans l'économie politique de ces modèles et d'essayer de, de modéliser de manière plus détaillée ces coûts d'opportunité, ces coûts à faire de l'effort. On a vu l'importance que, que, que qui jouait dans la, la détermination de, de, des conditions sous lesquels on peut faire des choses efficaces ou pas, mais il faut essayer de modéliser ça, essayer d'avoir des petits modèles d'économie politique interne qu'on puisse greffer à ces, à ces problèmes de mécanismes design globaux, d'accords globaux. Un deuxième problème que j'ai évacué, que j'ai fait que je, rap, rapidement, et qui est très important, c'est le problème d'enforcement de, de, des traités, de problème de... de euh, non seulement il faut le signer, mais il faut, il faut le, le ratifier, mais ensuite il faut l'appliquer. Okay. Donc, lorsqu'on a ce problème d'application des, 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 des traités, on, a des, on est en gros en train de, de durcir les contraintes de participation. On a des, les contraintes d'application sont encore plus dures, si vous voulez, que les contraintes de participation. Donc, ça ne fait qu'exacerber les arbitrages entre frimes et FREM que j'ai présentés. Ensuite, bien sûr, ce petit, ces petits modèles sont des, des petits modèles statiques, et, et ce qui nous importe, c'est de comprendre l'évolution. Euh, du, du climat dans le temps. Et donc, euh, dans un monde où il y a d'incertitudes, où l'incertitude va être révélée, l'incertitude sur les préférences, l'incertitude sur les technologies, peut-être, tous ces composants stratégiques ont, ont des, euh, ont des euh, conséquences dynamiques importantes qu'il faudra utiliser par la suite. Voilà. Donc, je vous remercie.